Depuis 2016, Grenoble s'est engagée dans la démarche Ville Amie des Aînés. Nous avons obtenu le label Amie des Aînés au niveau or en décembre 2021. Ville Amie des Aînés, c'est une démarche internationale créée par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, l'adaptation de la société au vieillissement, donc c'est un outil au service de qualité de vie des aînés. La dimension participative et la construction partagée avec les habitantes et habitants est très importante. Et on a une particularité à Grenoble, c'est que ça commence dès 55 ans, pour permettre l'accent sur les enjeux de prévention et associer les aidantes et les aidants à la réflexion. En ce moment, on organise des rencontres de proximité en balayant tous les secteurs de la ville dans une logique d'aller vers. Les aînés sont libres d'aller dans le secteur souhaité et ils peuvent arriver en cours de route et c'est sans inscription. Cette année, nous accueillons le Congrès national du réseau francophone des villes amies des aînés autour de la thématique participation citoyenne et emploi. Ça aura lieu les 23 et 24 mai au musée de Grenoble, à l'hôtel de ville et au muséum d'histoire naturelle. Je vous dis à bientôt aux rencontres de proximité et aux futurs événements.